beat me, he hasn't been born yet. Well, I'll tell Henry Cooper, if he's watching this show, to come to the fight and be ready to fight. Because I'm coming to get you. I'm coming to London to get you. All aboard! There's a difference between function, a great fighter in TBE, and I proved that I'm the best. En fait, Ulysse, c'est à mon sens, un boxeur qui est pur. Qui arrive environ une fois par génération. C'est, me rappelle beaucoup Sugar Ray Leonard. Vous allez voir, Ulysse n'est jamais marqué. Ulysse a une défensive imprenable. Très sérieux dans le ring, très calculateur, très scientifique. Les grands boxeurs sont tous doués d'un jeu de pied. Mike Tyson donne l'impression d'être un gros cogneur, mais son principal avantage, c'est d'abord un jeu de pied. Un cogneur sans jeu de pied, il fait pas une longue carrière. Les personnes voient seulement le spectacle, qui est la boxe, que les personnes se frappent dessus, butent dessus. Mais ils s'affassent tout le sacrifice, les entraînements, la nutrition, le cyclosportif. On l'a modelé selon Sugar Ray Leonard, donc il y a une parenté entre les deux. Mais en même temps, Junior Ulysse, c'est pas juste Sugar Ray Leonard, c'est aussi bien d'autres choses. Donc il a développé sa propre personnalité à la boxe, son propre style. C'est la première fois dans toute ma carrière de boxe que j'ai vu un boxeur danser comme une ballerine sur un ring. Et tellement qu'il dansait bien que son adversaire a dit que j'abandonne. Junior Ulysse, c'est pas mal le boxeur le plus complet qu'on peut trouver au Québec, au Canada. J'ai fait mes devoirs. Chaque boxeur m'a inspiré. Ulysse rentre au gym le champion, tout le monde vient demander des conseils. Il n'a jamais été avare de son temps. Il a toujours été généreux de son temps, généreux de ses conseils. Pour moi, c'est ça être un champion. Moi, c'est de l'art. Je suis Picasso. C'est de l'art.